3, 2, 1, go! Come with me for a preview of the new Marine Serre collection. Marine Serre is the hero of the Paris fashion scene. The one all the influencers you're addicted to are addicted to. C'est trop beau, trop trop beau. The moon, the pink, the masks, ASAP Rocky and Sullivan, the trendsetting mood and the fantastic tailoring. The show you don't want to miss, Marine Serre. Voilà. Hello, I'm Luc Prigent. You should subscribe to my channel if you don't want to miss the backstages and the drama. Leave a comment and hit the notification bell. Do you recognize this sign? Do you recognize this moon logo? Here, it's on the couches, on the seats, but on Instagram, it's all on the celebrities' bodies. It's the Marine Serre moon logo. This is Sunday morning, with still a cup of strong Marine Serre coffee. And there she is, smiling and focused, a fashion visionnaire. Désolée pour le retard. Aucun problème. C'est pas mon style, mais là, dimanche matin, ça change mes habitudes. The collection this season is called Mind Mélange Motor. And I won't pretend I know why. Ça s'appelle comment la collection cette fois-ci? Mind Mélange Motor. Pardon? Mind Mélange Motor. Mind Mélange Motor, ça veut dire quoi? On va voir. Ok, d'accord. Marine Serre's brand is not old, but it's already a giant presence on the world fashion scene. The French authorities took notice, and she's not anymore in the smallest Parisian apartment at Réaumur-Turbigo, but she gained access to this studio and offices full of light, where her team has space to work. Oh. C'est tout propre. Ah oui, c'est moins blanc que la saison passée. And Marine Serre started our Sunday with a boom, this crazy demonstration of craftsmanship and tailoring. Listen to the noise it makes when you walk. C'est juste pour vous impressionner dès que vous arrivez, juste... Je rigole. C'est Versailles. Voilà. Donc il y a une grosse partie très tailoring cette saison, sur la femme et sur l'homme. Je vais te montrer après. Ce sont des pieds de poule, c'est mélangé, ouais. Des mélanges de pieds de poule de, ouais, c'est mix de pieds de poule, ici. Et ici, tu as toute une partie en sorte de soufflet qui vient créer ce dos-là. Et t'as vraiment une épaule, une carrure très remontée, très protective. Il y a une épaulette forte, c'est ça? Ouais, ici. T'as vraiment un travail d'épaule et surtout t'as un travail de double croisure qui est très... C'est quoi double croisure? C'est ça. Ah d'accord, et ça structure boutonnage. Vraiment, c'est ça? Bah ça accentue le fait que tu es plus comme ça. C'est plus protectif. Les poches sont des vraies poches? Oui. Comment on appelle Elles les poches comme ouvertes, ça? Là. Elles sont pas ouvertes. Pas se poiler. Pas se poiler. Mm-hmm. Comment on appelle cet effet en bas? Raw edge ou bord franc? Bord franc, c'est ça, bord franc. Ouais, c'était important pour moi que ça soit raw edge avec le look. Pourquoi? Bah, sinon, ça ferait peut-être trop Versailles. Bon, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que vous portez à la main? Une gourde. Ah, c'est une gourde. Moire, avec un effet moiré, ou c'est vraiment de la moire? Non, c'est de la moire. C'est de la moire? C'est de la moire. Ouais, ouais. C'est de la moire, et puis. Tu peux vraiment boire un coup, quoi. Plutôt du café ou de l'eau? Tout ce que tu veux. Ça peut être du thé? Ouais, il y a un petit... Ah oui, il y a un filtre. Tout est prévu. Ouais. Et le logo, tout en argent, dessus. Ici, engrave, ouais. Ouais, c'est chic. Voilà, ça c'est le robe faite à partir de pull. Donc là, je crois qu'on a trois... Ouais, trois pulls. Donc là, il y a, je reconnais un pull, deux pulls, ouais, et trois. Un ici, un là, et celui-là, c'est le même pull. Par exemple, ça, c'est la fin du pull, c'est le bord côte du pull ici. Là aussi, donc en fait, on n'a rien tissé, rien du tout. Et quelles sont les choses qui sont entre, c'est quoi? Alors ça, c'est comme un point de recouvrement. Et en fait, vous prenez les deux parties ensemble et vous venez vraiment les... Il n'y a pas de valeur couture à l'intérieur, c'est l'une sur l'autre. Comme ça, c'est propre à l'intérieur, à l'extérieur. Et c'est fait machine quand même? Oui, ça, ça c'est machine. Ah, ouais. Et là, on a plein de petites clés, et puis des cadrans de montre. Beaucoup de cadrans de montre cette année, il y avait vraiment cette question de temps qui passe. Et voilà, mais là c'est tout recyclé, en totalité. Des vieilles chaînes aussi. C'est rempli de lustres? Oui. Et casser des lustres, casser des montres, ouais. Ah, pas casser, hein. On les récupère comme ça.
Souvent, c'est cassé ou des bracelets déjà. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut les récupérer. Ça sert vraiment à rien. Elles ne fonctionnent plus. C'est une gourmette, c'est ça? C'est comme une gourmette? Ici, ouais. Ouais, ouais. Comme une grosse gourmette. A new brand icon besides the Marincer Moon is now the Marincer Salamander. Ça, c'est des salamandres. C'est notre deuxième mascotte après la Lune. Parce que c'est un animal hybride. La salamandre, elle est hybride? Oui. Elle vit dans l'eau et sur la terre. Ouais, et là, c'est un velours dévoré, du coup. Mais élastique. C'est quoi l'effet? Le bord est comme français, non? Oh, en fait, c'est de l'overlock. Quand on fait de l'overlock, ça fait des petites vagues. Et on a un legging et un top. Elle porte trois pièces en dessous. Oui. Bah, ça, je vous montre que les pièces de la Redline. C'est important pour moi cette saison. Je crois que elles sont vraiment bien finies. La Redline, c'est vraiment votre ligne haute couture, quoi. Oui, voilà, c'est la ligne. Mais c'est pas haute couture, je dirais, c'est plus entre artisanal, craft et couture. Parce que dans l'idée, c'est quand même que si on a envie de la porter juste comme ça, un cocktail le soir, c'est pas, peut-être pas forcément. Puis c'est pas obligé d'être 20 000 euros. Ça peut être déjà 3, c'est pas mal. Mmh. Là, c'est mind, mélange, motor. Mmh. Ça veut dire quoi, mind, mélange, motor? Motor, mélange pour l'hybridation? Non. Mind. Je vous laisse réfléchir. Oh là, non, bah, vous avez dit, on en pourra un moment. Oui, c'était l'idée. Marincer has a strong jewelry line with the same upcycling and poetic aesthetic, where the broken, the left down, becomes beautiful and unique again. Alors ça aussi, c'est tout de l'upcycling. Donc là, on a des petites pinces d'électricité. Et ici, c'est le même concept. C'est donc la petite pince. Puis il y en a une bague ici et une boucle d'oreille qui sont agencées comme ça entre elles. Hybridé. On a regravé ici. On a ça, donc ici c'est un cadran de montre qu'on a récupéré avec un petit boulon ici qu'on a galvanisé. Là c'est la petite clé qu'on retrouve sur la ceinture qu'on a vue tout à l'heure. Elle ouvrait quelque chose à l'origine? J'imagine. Mmh. Ouais, on a celui-là, c'est un de mes préférés. C'est un collier avec trois cadrans de montre mais qui fonctionne pas. On aura du coup comme ça. Ouais. Après, on a toute une partie pareille de gourmettes qu'on a récupérées qui sont en lien avec les ceintures. Et donc, on a tous les noms des personnes qui l'ont porté. Il y aura vraiment un Didier, un Patrick? Non, c'est de l'upcycling. Non, donc, c'est peut-être, je sais pas, par exemple, Paul qui va porter Maryse. Parce que Ali, c'est sa copine. Il y a Didier, Patrick, Ali, Maryse, Françoise, Natacha. Et là, on en a une autre qui est, du coup, ça c'était une partie de collier. Et on a mis des pinces électriques et en fait, tu la mets comme ça. C'est vraiment cette idée de nouvelle oreille. Mais il y a une pièce que j'aimerais bien vous montrer, c'est aussi celle-là. Ça, c'est une jupe paréo, faite qu'avec des écharpes. C'est chouette, non? Je peux pas l'essayer sur moi. Mais... Ah si, vous pourriez, non? Je suis un peu petite. Ah, sur Julien, ça irait bien. Oui, il y a déjà les couleurs en matching. Ouais. Oui, ça va, Lilou. T'es dans le défilé. And suddenly, yes, Julien became a Marincer house model. Julien D'Acosta, house model for Balmain and Marincer. J'adore ce genre de choses, moi. Moi, j'ai toujours pas compris mélange. Ouais, c'est compliqué, hein. Mais ouais. C'était bien. C'était l'idée. Il fallait que ça soit compliqué. Je crois que c'est une collection comme ça. Il faut attendre le show. Je vous laisse la surprise. Ah, c'est au moment du décor, je vais comprendre un truc. Mm-hmm. Ok, d'accord. Business of fashion journalist Tim Blanks is thirsty for fashion with meaning. I think she's very engaged by the world she lives in. She's a very political designer, which I like, and I'm very curious to see how she's responding to the current crises, which seem to be increasing by the minute. I mean, the first month of the new decade has just been so riddled with monstrous occurrences, and I'm fully expecting Marine will respond to that in some way. Can you tell me about your outfit? Oh, the mother is rare. That's mindset? Yes, yes. And then, like, you know, it's like inspiration from the desert, you know. The Marincer Mind Mélange Motor Fashion Show is about to start. But nothing is exciting without a stressful countdown. 45 seconds, 30 seconds, 20 seconds, 15, 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Masks on Marine Serre's runway are not a new thing. She's been on bikes in Paris for a while and knew a long time ago you needed masks just to breathe the Paris air. The diesel lobby in Paris has been very powerful for a few decades and the result is now you need a Marine Serre mask on a daily basis. Daichi, go! Stand by for the 22 shields. Là, c'est vraiment comme une robe doudoune. Et il y a une sorte de hood, un peu sisterhood, on l'a appelé, qui se met par-dessus. Mais je vais vous montrer le manteau. On dirait que votre col, c'est la moon, c'est le logo moon. Où ça? Le col. Ah oui. Moi, bah, j'avais pas vu. Vous êtes... si ça, c'est des vrais obsédés. Quand ils se rendent pas compte, qu'ils répètent le motif. C'est une doudoune robe avec un sorte de sisterhood collar. On peut la déconstruire un peu? On peut enlever là, une des parties? C'est un airbag presque, non? En termes de confort, de 20 à 10, on a combien? Je suis sous la couette là. Ah, c'est ça. Je suis trop bien. Il n'y a rien d'upcyclé là ou il y a du upcyclé aussi? C'est la fibre qui est recyclée, c'est du nylon qui est qu'on recycle en fait. C'est un volume, t'as frappant quand même. C'est doudou pour doudou grand soir. Ouais, ouais ou peut-être pas. Hein. Ouais, non, pas forcément. On peut la mettre sans la robe. Hein. Et là, si vous mettez le flash, les pieds sont réflectifs et les leggings aussi. On peut le mettre? Vous l'essayez? On peut le mettre? Ah oui, dans l'écran, on le voit. Oh là là, ah, c'est fou. Ah donc si on croise un phare de voiture. Ça fait un effet. C'est l'idée de se protéger en vélo. Ah ouais. Mais c'est fantastique. Marine Serre rime avec sécurité routière. C'est ça. Chiquier en sécurité. Shoes seem to be your classic stiletto, but of course no, they have the most practical details. They're perfect for parkour or for the glamocalypse. Et la chaussure? La chaussure néon. Vert néon, qui est tout simplement une chaussure reconduite de la forme avec la semelle en rubber hybride avec la forme beaucoup plus chic de l'escarpin. C'est un escarpin qui pourrait dater des années 50, voilà. Mais une semelle agrippante qui pourrait dater des années 2050, c'est ça? C'est ça. Mais si voilà, avec la petite mousse ici, il y a vraiment aussi cette idée de confort. C'est vraiment l'idée de récupérer, de voir ce qui va ensemble. Amalia, go! This is Amalia Verelli, the Saint Laurent purists call her Amalia, legendary model of the House of Yves Saint Laurent. She has no competition. She's the one you see at the finale of the 2002 YSL retrospective. Amalia has the true charisma of a haute couture model. The pose you need to show off design, chic, uniqueness, Paris. She helped sell clothing and dreams. She helped build the Saint Laurent empire. She's a national treasure. Christina, go! Stand by for loop 9, Nicolas. La matière vient d'où? Ça, c'est made in Italy, c'est de la laine. Qui est récupérée d'une production précédente ou... Non, ça, c'est tissé pour nous, c'est des fils recyclés. Donc, on a une partie qui est totalement regenerated et recyclée ou de dead stock, environ 50% de ce que vous voyez là. Et les autres 50%, c'est que des fibres recyclées, mais à partir de la matière, pas à partir d'une pièce finie. Vous comprenez? Okay. Ouais. Un fil qui est recyclé, c'est-à-dire un fil qui était déjà dans une matière qu'on a défaite, c'est ça? Exactement. Comme ma mère quand elle défaisait un pull parce qu'on était trop grand. Voilà. Et elle réutilisait la laine pour faire un pull qui devenait chiné du coup. Parce qu'elle récupérait deux pulls et en faisait un. C'est ça. Sauf qu'il recycle vraiment le fil. Alors que quand on parle de ces pulls-là, là on recycle la pièce finie. Donc c'est vraiment de l'upcycling. Il y a combien de pulls sur vous? Là je crois qu'il y en a deux sur celui-là. Juste deux? Between regressive gadget and pure and total common sense, there is this scarf, round and long, like a Scooby-Doo. But of course, it makes sense, full of different possibilities. C'est Scooby-Doo le mot ou pas? Ah, on peut mettre des choses dedans? Oui, c'est tout et toujours des poches cachées. Mm.
pratique. Scooby-Doo, c'est le bon mot? Si je dois le décrire? Ouais, Scooby-Doo, c'est bien. Ouais, sinon, c'est quoi? Vous vous disiez quoi? Doudou, Scooby-Doo. L'idée, c'est de ne pas prendre de sac et d'avoir juste son écharpe. Et puis en même temps, doudou, confort, avion, voiture. Bien d'avoir servi une fois. Ça, c'est fait qu'à partir de robe de chambre, thé d'oreiller brodé et de nappe aussi brodée ajourée. Ah ouais, c'est juste que ma mère chine. Donc ça, c'est une thé d'oreiller en fait qui était ouverte. Notre partie, elle est au-dessus ici. Sur la gauche, là, c'est une, nuisette, c'est ça? Ouais, ça, ça c'est une partie de nuisette là, tout ça. Ce pan-là, c'est une nuisette. Voilà, là, et là, c'est l'encolure. Là, c'est les seins, vous voyez? Ah, c'est trop là bien. Aussi, là aussi. C'est dingue, ces franges, c'est pas des franges de thé d'oreiller? Non, ça c'est rajouté, c'est pareil, c'est des franges qu'on a rajoutées par la suite, qu'on a récupérées. Et donc l'autre oreiller, ben, on en a un autre là. Ah oui, c'est drôle comment il apparaît. Donc c'est vraiment cette idée de qu'est-ce que c'est la couture ou qu'est-ce que c'est une robe couture aujourd'hui et quand c'est qu'on la porte. Et voilà, peut-être un peu plus facilement. Avec les gants de Gilda. Et avec notre mini ball bag, tout petit. Précieux. Here on the podium, many mothers are walking. You feel that men here are not just indifferent models, but brothers, sons, fathers, boyfriends, and they are children. Children with their elders, their mothers. Oops, don't hit the door. These two adorable sisters. But with this hyper-dramatic narrative, we can't help worry why they are without any parent. Marine Serre deploys a vision that isn't science fiction, but the near future, a dystopia which can occur next Tuesday at noon sharp, except that nobody will be warned in advance. Marine Serre talks about unbreathable air, about ecological disaster, a devastated post-industrial world, enormous collapse. But actually, it has not been dystopia for a while. It is our daily life. So Marine Serre is there to make our new daily lives reasonably beautiful. Je peux vous demander ce que vous pensez de votre tenue? Bah, je me sens particulièrement stylée. Je fais rien. Il y a un mélange en fait entre ce côté classique, ce côté droit, ce côté audacieux. Il y a un côté voilà, voyeurisme narcissique qui se rajoute et qui fait qu'on a envie de s'admirer encore plus. Ce côté carré et en même temps hors code. Super shy 19-year-old French YouTuber Sullivan Gued is a big fan. Usually doesn't get invited on the fashion circuit, but Marine Serre knows better and she's open-minded when somebody is really excited and supportive. Moi, Marine, je suis fan depuis ses débuts. Je suis toutes les collections et le fait que je sois invité, maintenant ça fait deux saisons que je suis invité, je suis tellement heureux et là c'est magnifique. Enfin, c'est trop trop beau, je suis trop content. Vous êtes en full outfit Marine Serre. Full Marine Serre. Très beau. Et juste ici, j'ai très très peur. Il y avait une pièce en particulier que vous aviez dans la collection? Ouais, il y avait un look en particulier où le visage était caché, je sais plus comment. Et il y avait une full tenue rose un petit peu. Enfin, ouais, c'était magnifique. Je regardais Mathias, mon fils qui est juste ici. J'ai fait waouh, waouh, waouh. Trouve un moyen, je veux voir ça de plus près, c'est trop beau. Trop trop beau. Backstage, here is the American rapper A$AP Rocky, quietly revealing a never-seen-before coat he just co-designed through his brand AWGE with Marine Serre. The two creatives are apparently about to launch a collaboration. I'm so happy to be here. You know, congratulations, that shit was great. Damn, this ain't awkward at all. I'm gonna let you go. I know you got a whole lot of people that kissing up. Yeah, thank you. See you soon. I think the show was fucking awesome. I fucking love the show, and I think that the concept behind it with the videography is crazy. Come on, man. Give me some love, bro. How are you, bro? Je peux prendre des photos de vous? Ouais, grave. Avec plaisir. Je me suis dit, c'était chouette. Ah, c'est gentil.
voilà, this was my report about the Marine Serre Fall Winter 2020-21 collection. Subscribe to my channel for more hardcore, interesting fashion. Leave a comment, hit the notification ding ding, and go watch my previous Marine Serre report to see the evolution. Doom bisous!